va prendre sa lettre. Point stratégique identifié. Non, j'allais faire une collade. Derrière. Mais... derrière. Derrière quoi? Là, putain, il est con, il est aveugle. Dans Game of Games, l'ordre de passage de chaque concurrent est désigné au Shifumi. Le premier joueur doit lancer une action de son choix, que chaque autre participant doit effectuer. Si l'action imposée n'est pas réalisée par l'autre joueur, celui-ci prend une lettre. Si le joueur numéro 1 ne réalise pas l'action, c'est au joueur numéro 2 d'en proposer une. Le perdant est celui qui aura pris le plus de lettres en formant le mot « Games ». 5 actions échouées. Mais attention, aucune action ne peut être répétée plus d'une fois dans la même partie. Pour la dernière lettre, le joueur devant reproduire l'action imposée bénéficiera de 2 essais. Voici le Game of Games. Ah oui, j'oubliais, pense à t'abonner. Du coup, suite à ce petit jingle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. On espère qu'il va vous plaire. C'est vrai qu'on espère vraiment fort. Parce qu'on s'est investi, hein, vous avez vu, jingle, voix off, la voix totale. Off, là, là, on y est allé, on a lâché les billets là, on a fait cracher le porte-monnaie pour essayer de proposer un contenu sympathique. Donc on va se retrouver sur un Game of Games sur Call of Duty Cold War. Non, on s'est un petit peu entraîné histoire de pas être ridicule durant la vidéo. Ça on est à chier. Non, à non, chier. Je suis pas d'accord sur le terme à chier parce que au sniper, je pense, je mange 90% de la population. Bon, moi je suis à chier. C'est la première fois que je joue à Call of Duty. On a le même niveau. Niveau. Alors que ce soit clair, je n'ai jamais joué à un Call of Duty, j'ai jamais eu de console, j'ai jamais eu de Call of sur mon PC, j'ai toujours joué à Counter Strike. Mais ouais, mais je veux justifier ma nullité. Y a pas de justification, c'est on est là pour jouer. Ouais, mais je vais perdre. Le perdant aura un gage. Le gage sera le suivant, se prendre un coup de poing par l'autre. Avec un gant de boxe. Est-ce qu'on ferait pas le Shifumi dès maintenant? Si, on va attaquer le Shifumi tout de suite. On va faire le petit Shifumi pour déterminer celui qui va imposer l'ordre de passage. Bâtard. Yes, putain de merde. Donc du coup c'est Théo qui va commencer à imposer son gage. C'est déjà une première victoire pour moi, vraiment. La seule que t'auras. Déjà on va passer hop en mode stream. Théo va imposer le premier gage. On part sur du point stratégique. On voulait faire de la MME à la base, mais la MME, les spawns sont à chier. Voilà, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Du coup ce que disait Théo tout à l'heure, c'est que même si vous avez du mal à comprendre le jingle, vous allez comprendre très rapidement le concept durant la vidéo. Voilà, durant la vidéo, et ça sera le même concept à chaque Game of Games. Il y aura rien qui changera. Il y aura juste le jeu, les challenges, le nombre de joueurs peut-être. Le nombre de joueurs si on invite des potes, parce que c'est ça aussi le principe. Donc là ça va être simple. Théo va imposer une action à effectuer. Donc par exemple tuer un ennemi. Voilà, tuer un ennemi au sniper. Si tu as un ennemi au sniper, j'aurai une chance à mon tour pour tuer un ennemi au sniper. Alors, on est indulgent, si on se fait buter au spawn, si on n'a rien pu faire. S'il y a eu un spawn kill et que t'as pas eu le temps de jouer, on ne compte pas. J'allais dire, on ridou. Mais... on ridou. Et le premier qui aura échoué 5 actions à poser par l'autre. Patate. Ouais. Déjà, sachez que Najo s'est échauffé 8 heures pas du tout. Avant de tourner, alors que moi je viens à peine d'arriver. Alors d'abord, t'imposes quoi comme. On va commencer tranquillement avec juste un headshot. Un headshot, c'est tranquille. Ouais. Ah bah vas-y, au sniper. Au sniper. Ok. Ah, tu commences dans une game déjà, déjà start. Ah ouais. Ah, c'est chiant. Les gens sont déjà. Les gens sont déjà échauffés quoi. Ah, okay. Ah, non. Ah, ça bégaye. Bah évidemment que ça bégaye. Ça bégaye. Je me. Ah non, mais frère. Alors j'impose, tuer un ennemi au sniper. Ah moi je veux pas mettre de headshot, je veux juste niquer quelqu'un. Ah mais du coup ils vont arriver pas. Oh les fils de p. T'imposes quoi? Je repars sur un kill au sniper. C'est fou de. Oh. Oh. Oh seigneur. Pour le moment y'a rien qui se passe. Attendez les corps. J'impose un trick shot. Oh. A toi de faire un kill au snipe. Je fais un kill au snipe, je fais pas un headshot. Sinon, non c'est un kill au snipe j'avais annoncé. Oui oui non mais, ouais. Non, mais là. Allez, bon courage. Oh. Et là je suis en stress. Il va prendre sa lettre. Oh, oh yes. Oh, il a pas pris sa lettre. J'impose faire 2 kills avant de mourir. Vas-y, 2 kills avant de mourir. Ce sera mon défi. Le point stratégique est sécurisé. Quel bail. Oh merde, c'était un ennemi. Ouais, putain. C'est que même moi, ouais. La brain fuck, gros, y'avait mon pote juste à côté. C'est quoi, t'imposes quoi? Je fais 2 kills avant de mourir. Cette initiative. En fait, le problème, c'est que c'est le pire spot, ça. Ah, t'es mort. Et frère! T'es mort. Non, j'allais faire une collade! Et ça comptait en 2 kills. Mais oui, putain! J'impose 2 kills avant de die. Oh, la pression. Derrière. Tu l'as vu? Hein? Allez, le deuxième. Oh putain, il a réussi. Yes. Non. Allez. Oh, allez. Ta grande sœur. Mais ta grande sœur. Putain. Oh, j'ai la K. J'ai la K. Je tue 3 mecs à la K avant de. Non mais 3, toujours plus frère. Déjà tu galères en tuer 2. Ah, il y a une armure. Ah bah lui il est vraiment éclaté au sol. Moi je joue pas à la K d'habitude. Oh non, ah, t'as, ouais, pas luck. T'as pas eu de luck. J'impose faire un kill en étant accroupi. Ouais, stratégique verrouillé. Voilà, à toi. Oh, le petit G qui arrive pour Théo. La pression qui monte.
Ça commence à camper. Ah mais là. Oh mec, tu fais quoi là? Ça a bougé en haut là. Oh, t'es accroupi, ouais t'es accroupi. Il a été accroupi. Attention. Impression. Oh ah tu piques. Ah non, pique pas. Ah oh, bah voilà. GG. Il a un G, j'ai un G. Jeu de mots. Je suis abattu. J'impose, faire un kill au pompe. Tu veux avec un pompe aussi loin. Allez, headshot au sniper, j'impose. Alors là, par contre, ce spot, il est très connu pour être campé sa race. Oh, le bâtard! Mais il est spawn le bâtard! Vas-y, du coup, headshot au snipe, vas-y, j'enchaîne. Hein. Bon, ça, c'est... Allez, à toi, bon courage. Ça dégage. Donc là, si Théo ne fait pas un headshot au sniper, t'as un try. Hein. Oh non oh ça, ça sent bon, ça. Ça, ça sent la victoire, ça. Là, on se rapproche de quelque chose qui me plaît. J'impose kilo pompe. Putain. C'est juste kilo pompe, hein, y'a pas ouais. De... Non. Putain. Kilo pompe. T'es mort. Oh, t'aurais dû le charbonner. T'aurais dû l'annihiler. Ils sont deux, wesh. On voit que c'est bon. Bon, allez, kilo pompe, j'annonce. Non, fils de... Mec, alors pour le moment, si on récapitule, GA, t'as deux lettres. Oui. J'en ai une. Donc ça reste serré, c'est pas fini, c'est pas fini. Plus la partie va avancer, plus les défis imposés seront difficiles. Le but étant qu'à la fin, on fasse en sorte que la personne ne puisse pas reproduire aisément ce qu'on a imposé. Bref, on enchaîne sur la deuxième partie, à tout de suite. Pour ce défi, j'enlève mes lunettes. Je fais un kill au sniper avec cette lune, paire de lunettes. C'est ça le défi? Ouais. Ok, vas-y. C'est ridicule. Non, mais cette map, je la déteste. Toi, t'aimes bien cette map parce qu'elle est petite et tout. Pas du tout. Ah, si, t'avais bien joué. Non, frère, tu prends. Oui, mais d'accord, mais tu prends une grenade, t'es mort. Oh! T'es éclaté au sol. Oh, t'es mort. Il est nul! Tout droit! Je vois rien! Non, c'est bon, à gauche. Oh! Je vois rien! Je ne vois rien! Oh, vas-y, à moi. J'essaye. Kilo snipe avec. Je vois rien. C'est hyper dur. Ah, j'avoue. Ah, on dirait que t'as des lunettes 3D mais qui font pas l'effet de la 3D. Mec, c'est trop dur. Je t'entends. Non! Vas-y, on ne lâche pas ces lunettes. Oh, pote, pique. Je te l'avais dit. Quoi? En plus, j'essaye de t'aider. Oh là, tu l'as vu, hein? Mais pas du tout. Mais. Oh, mec, t'es aveugle. Derrière. Quoi? Là, putain, il est con, il est aveugle. Oh non. Rien fait. Enfin, j'ai l'air d'un con à la caméra, comment je me tiens? Point stratégique verrouillé. Eh, hey, t'es au pompe, hein. Là ça compte pas. Hein. Mais j'ai dit. T'es mort. J'ai dit faire un kill avec les lunettes. Non, t'as dit kill au sniper. J'ai jamais dit ça. Je fais un kill au sniper avec cette lune, paire de lunettes. Et bah moi je dis faire un kill avec ses lunettes, peu importe pompe ou sniper. On peut tricher? Oh là, mais toi. Bon, vas-y, à toi. Oh, allez, là, ça sent la troisième lettre. Et j'avoue, on voit rien avec les lunettes. On voit vraiment à hauteur de 40% de vie. Oh non, ça compte pas. Moi je dis, t'as un ridou. T'as eu l'élimination, mais ça compte pas. Là, ça compte, c'est bon. Faire un kill en se déplaçant que à gauche. Ah merde, je regrette déjà mon idée. Attends, je vais me placer. On a jamais vu un gameplay aussi productif. Oh mec, c'est trop dur. Attends, je sais ce que je vais faire, j'ai une petite idée. Comment t'as fait ça? Y'a pas un mec qui va venir là? Je te déplace qu'à gauche. T'es obligé de te déplacer un minimum. Sinon, c'est pas. On va faire du camping. Oh, t'es mort. Oh non! Oh oui, le bâtard! Putain! Vas-y, du coup, j'impose. Faire un kill au bazooka. Mec, c'était. Beau jeu. Je l'ai pas eu! Putain! J'impose faire un 3-6 avant de tuer quelqu'un au sniper. En plus. Oh, j'ai peur! Vas-y, on reste sur le 3-6. Franchement, là par contre, le délai qu'il y a eu entre le moment où t'as fini 3-6. Non mais mec, c'est pas évident. Tu fais quoi là, 3-6? On est sur le 3-6. Kilo pompe. Ok, kilo pompe. Non, on l'a déjà fait. Kilo pompe. Non, on l'a pas fait. Ok, vas-y, c'est bon, c'est fait. Non! Putain! Et c'est à égalité pour le moment. Ok, je tue un mec au sacom. Tu es un mec au corps à corps. Mec, c'est free kill. Mais quel beat! Mais quel sombre tub! Donc là, bazooka, j'annonce bazooka, kilo bazooka. Et après, je vais t'imposer. Kilo pistolet, non, je vais t'imposer ça d'abord. C'est parti. Alors là, je vais essayer d'être malin. Capturer l'objectif. Parce que là, on va pas avoir l'avantage. On va rien lancer du tout. T'es pas obligé de bouger qu'à gauche. C'est bon, ça compte? Non, c'est pas mis. Et là, je l'ai pas tué! Allez! Alors là. Tu vas prendre ton M, moi je prends mon M. Hein. Oh,
Non, si tu la joues intelligent, tu cours pas trop. Toi, mec, ton problème, c'est que tu cours vraiment trop. Allez, rush un minimum là. Va sur le point au moins, tu vois, fais quelque chose. T'arrêtes de m'engueuler. Là, moi, je dis, t'es bien, tu vises. Oui, mais. Et tu. Putain, mais tais-toi. Oh, bah, merde, il est passé par loin du. T'as un PV gros, hein. Le joue pas. Oh, mon sniper. Vas-y, c'est bon. Vas-y, kilo bazooka. Wesh. Le missile était dans son cul. Ça m'énerve. Allez, vas-y, kilo bazooka. Quoi? Donc là il doit reproduire le kilo bazooka, sinon tu prends ton M. M, troisième lettre sur 5. Oh, la droite. Oh. Allez. Ah. J'impose quickscope. Non mais là frère, il est free. Oh, il était beau. Ça c'était un quickscope mais pur premium ça. On a perdu le point. Non. Oh yes. Du coup, maintenant qu'il a sa dernière lettre, il aura deux tries pour chaque action que je vais imposer. J'impose no scope à l'AK-47. Là, ça on n'a pas le droit. Non, mec, allez, franchement. Ah, t'as deux tries. Putain, il a réussi. Oh la chatte. Moi je dis kilo Semtex. Ce sera le prochain défi. Oui, c'est touché. Oui. Allez, à toi. T'as que deux Semtex par vie. Allez, c'est parti. Premier try. Là, et là, dès que tu vois un mec, tu lâches. Ouais, mais si tu vas comme ça, frère. Qui veut me tester? Toi t'as 4 lettres, moi je suis à GA toujours. Donc moi il me reste encore 3 vies en quelque sorte. Attends, c'est l'émotion là. J'impose kill à une main. Oh mec, ça va être trop dur. Allez, je vais essayer de le faire au snipe en plus. En fait, si je me place vite, je vais avoir toutes mes chances pour mettre une tête. Je peux même pas retenir ma respiration. C'est horrible. Oh merci le sniper. À droite, y'a un mec. Regarde ta minima. Oh bah ouais aussi, putain j'aurais pas dû l'aider. Vas-y, bien joué. Merci frérot. J'impose nos scopes. Eh, faut que tu meurs parce qu'il faut que je t'impose des choses. Non, c'est pas, attends. Vas-y, crève, voilà. Nice. Ouais mais là j'ai pas eu le temps de jouer. 3 kills avant de mourir. Hein. Mais comment? Non, ça. J'ai dit 3 kills avant de mourir. Ok. Ah, c'est une. J'en ai eu un. Oh le fils de pute. Je vais tenter le noscope. Tu rushes un mec, vraiment. Mais comment? Mais c'est ça, va être une chance sur 10. C'est jamais pour faciliter. Non. Ah, non. 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 Je suis dégoûté. Là, franchement, c'est dégueulasse. Tu fais un entre 6. Ok. Oh mon dieu. Non, c'est pas un 3-6, frère. Alors là, mais. C'est pas un 3-6, gros. Mais pardon. Mais pour moi, c'est pas du tout un 3-6. Bref, deux stops. Voilà, c'est fait. Là, j'ai imposé avant. Je demande la VAR. Non. J'ai imposé avant. Non, mais non. Mais oh putain. Non, on va dire qu'il te reste deux chances pour la prochaine game. Mec, sois intelligent. Ah bon, ouais. Non, pire idée. Plus qu'une chance. Pauvre fou. Oh. Non. Il était donné. Oh, du coup, bien joué. On se retrouve pour le gage, chose promis, chose due. Yes. J'ai terminé avec 3 lettres, il a terminé avec 5, malheureusement pour lui. La game était quand même serrée, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je passe la caméra à notre cadreur, on a payé 1 200 € le SMIC pour faire cette prise là. Du coup, gauche ou droite? Choisis. Je suis droitier. Droite. Non, mais gauche. Gauche. Il a dit gauche, c'est lui qui choisit. C'est bon, il est en état de marcher. Alors mets-toi bien là, hop. Je vais essayer de viser les joues, pas le nez. Tu regardes la caméra, voilà, parfait. Faut que t'essayes de pas avoir d'émotion, ok? Attends, je me chauffe l'épaule pour... Non mais oh, calme-toi, Switch. C'est vrai? Ça va partir. Oh, ça a l'air de partir. Ça va, la tête va bien. T'as chaud? Ah, en vrai, non, franchement ça va. Mais... Excuse-moi, je t'aime. Mais le prochain gage. Oh, il va morfler. Bon, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, partagez autour de vos potes et tout. Faites des Game of Games entre vous. Non, c'est notre concept, ils n'en font pas. D'abord, on perce grâce à ce concept et après, vous pourrez reproduire ce qu'on fait.
Non mais plus sincèrement du coup, si le concept vous a plu, espace commentaire, vous nous expliquez ce qui vous a plu. Oh là là. S'il y a eu des incompréhensions, on essaiera de corriger. Dans l'ensemble, je pense que c'était clair pour tout le monde. C'est clair, hein. Abonnez-vous à la chaîne, à nos comptes réseaux sociaux et tout. Likez la vidéo surtout. Voilà, likez à fond, partagez et tout. Et on se retrouve dans un prochain Game of Games. Si le concept vous a plu, bisous. Tchuss.